Là-bas, nous avons un petit bébé, je crois, qui s'est endormi. Tranquille. Alors, de loin comme ça, est-ce que c'est Casper? Ou est-ce que c'est Kenza? Ou est-ce que c'est Koulou? Normalement, ça devrait être Casper. S'il n'y a pas de planche sur le bout. Et derrière moi, là, qui fait du bruit, bon, et ben, c'est une petite chèvre. Tranquille, tu es tombé la gamelle? Seven qui vient de nous rejoindre, elle cause tout Seven. Et là nous avons Bibi, elle va faire des bébés. Ah Bibi, tu vas pas manger? Et bien Bibi, elle va vraiment pas tarder parce qu'elle ne peut plus pendant manger. Donc les bébés vont pas arriver, pas tarder. Alors là, nous avons Seven, une femelle de 2 ans. Coco ma fille, tranquille. Puis donc toujours ce petit bébé que nous allons aller voir. C'est Flocon qui arrive. Flocon, Seven, Simba. En dessous, il y a la toute petite, naine. Bibi. Et puis là, nous avons un peu de marque d'art tranquille. On doit raconter le rancher. On pourrait se faire massacrer, mais elles sont gentilles. Elles aussi sont marquées. Ça c'est Bibi, petite naine, très naine. Bibi elle est plus petite comme chou. On voit la réaction pour Bibi, donc c'est la chèvre la petite. Très bien, elle est repartie. Allez, vous, c'est ce que c'était. Les autres grands chiens, elles par contre, elles touchent pas au chiot de toute façon. Et tu sais bien, la petite bébé a compris qu'il fait pas non plus, c'est pas fini. Puis alors eux, ils ont décidé de se taper leur bébé. Thank you.
une chanteuse berceuse. Nous avons Simla, Seven et Flocon. Coucou à Julie Biquette.